Bonsoir à tous, 18h. Comme chaque jeudi soir, nous voilà partis pour 30 minutes d'actu intense dans le domaine de la high-tech. Bienvenue dans ce 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous et merci de nous retrouver comme chaque jeudi soir pour ce grand 01 Live Hebdo. Un rendez-vous exclusif 01net TV, rappelons-le quand même. Tous les jeudis soirs, on le redit encore une fois, tous les jeudis soirs en direct à 18h. Une seule adresse, www.01nettv.com. On est ravis de vous retrouver. Et au sommaire cette semaine. On y va tout de suite, Jérôme. On va parler de plein de choses passionnantes, comme par exemple, dans quelques instants avec Gilbert Kellenborn, un petit disque sur lequel on pourrait stocker des centaines de téraoctets de données, presque toute l'humanité pour être stockée dans un petit zigouigoui comme ça. Oui, et en plus, ça ne s'effacera jamais. Jamais. Ça devrait tenir des milliards d'années. On pourrait l'envoyer comme ça dans l'espace, etc. Arrête, tu me fais déjà rêver. Bref, ça fait rêver. Justement, on va en parler avec Gilbert qui va nous faire rêver. Bon, la semaine prochaine, vous savez ce qui se passe. Mais que se passe-t-il? C'est le Mobile World Congress de Barcelone. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un grand salon avec tout plein de téléphones, tout plein de tablettes, tout plein de high-tech. De tapas aussi. De tapas aussi. On y sera et on va vous faire une répétition générale ce soir. Que faut-il attendre du Mobile 2016? Et puis regardez, il est là. Est-ce que vous le voyez? Il est là, il brille de tous ses feux. Lui, c'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau sur Facebook. Eh bien, on va en parler tout à l'heure avec Jérôme, le nouveau sur Facebook, qui est à la fois une tablette et un PC. Aussi, m'a-t-on dit. Donc, c'est pas confirmé. Quand ça chauffe, on va en parler aussi ce soir. Bon, Delphine Sabatier viendra nous retrouver pour nous parler de Kik, l'appli qui fait peur aux parents. Et puis le labo, comme d'habitude, Stéphanie Molinier nous a dégoté un smartphone que vous ne connaissez pas encore. Et je vous en dis pas plus. Et il vient d'arriver ici. Ouais. Voilà. Bon, bah, on y va. On y va, c'est parti, soyez les bienvenus. La magie du direct, c'est aussi le fait, la possibilité pour vous de pouvoir réagir et de poser vos questions via Twitter avec le hashtag 01Live. Nous sommes connectés et on vous lira avec beaucoup de plaisir. Hashtag 01Live puisque nous sommes en direct. Comme chaque semaine, on vous pose une question liée à l'actualité. C'est la question 01net Orange. Alors à l'approche du salon de Barcelone, quel genre de smartphone vous ferait plaisir? Qu'attendez-vous? Qu'espérez-vous? Des smartphones bon marché, des smartphones avec une bonne autonomie, avec de bonnes performances ou encore avec des fonctions insolites? Bah dites-le nous, www.01nettv.com. Avec comme fonction insolite, pourquoi pas un smartphone qui fait des crêpes? Ah ça c'est une bonne idée, exactement. Hein voilà. On est un petit peu en retard par rapport à Chandler, mais c'était on est comme la semaine ça, on vient toujours être un petit peu décalé. Bon, voilà, n'hésitez pas, la question orange, vous pouvez voter tout au long de ce 01 Live, www.01nettv.com ou 01net.com. Ah tiens, on a un dessin, bon, je vous montrerai tout à l'heure. On va en parler dans un instant, mais pour l'heure, nous allons, avant d'accueillir nos invités, évoquer l'invité principal de cette émission qui est là. Ouais. Alors regardez, je vais le débrancher. Bonsoir invité principal. Bonsoir invité principal. Il est là, regardez-le. C'est le nouveau sur Facebook de Microsoft qui vient d'arriver les amis. On l'a reçu hier, avant-hier pour être précis, il est sorti hier dans le commerce. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui 18, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la date officielle. Alors vous vous dites, en France. Il est beau ce PC, oui c'est vrai qu'il est beau. Mais il a une particularité, c'est qu'en appuyant sur un petit bouton, on va le voir là avec les images illustres. Oui. Voilà, on est retour en direct, voilà. C'est formidable la technologie. J'espère que ça va marcher parce que tout à l'heure ça ne marchait pas. Voilà, là vous appuyez sur un petit bouton et là, d'un coup, comme par magie, cela devient une tablette. Et oui, tout est là. C'est l'hybride de Microsoft, vous savez, c'est le premier... On peut dire que c'est le premier PC de l'histoire de Microsoft en plus. Oui. Donc ça c'est assez amusant. Même si la Facebook n'était pas très très éloignée du PC. Ouais aussi. Mais quand même. Alors c'est vrai que c'est... Voilà, moi je pense qu'on peut débattre pendant des heures autour de ça. La Surface Pro, pardon. Oui, la Surface Pro. J'ai dit Surface Book. La Surface Pro. Tu t'égares, mon ami. Je confonds les deux. Vidéo test à découvrir depuis ce matin sur 01nettv.com. Oui. On vous a, voilà, on vous essaie de vous brosser un petit peu le portrait, vous dire un peu ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu en essayant ce produit insolite. Et puis c'est intéressant parce que ça pose plein de questions. Est-ce que finalement, est-ce que Microsoft va toucher sa cible? Quelle est sa cible? Pourquoi ce produit qui est censé faire deux choses à la fois?
Moi, ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a, plein de... Oui, avec le débat est sans fin. Avec un appareil qui n'est pas dénué de qualité, hein, avec un superbe écran, une résolution magnifique, un très beau design. Hein. On voit que voilà, Microsoft a mis les moyens pour développer cet appareil. Après, bon, le premier... Et tu as raison, pardon, je t'interromps, oui. Mais c'est important parce que c'est l'un des nouveaux produits Microsoft développés vraiment avec le hardware et le software en même temps. Et ça, c'est la nouvelle politique de Satya Nadella. C'est ce qu'ils font aussi dans la téléphonie. Ça rappelle certaines choses hein, qu'on a pu voir ailleurs. Suivez mon regard du côté de chez Apple, il faut le oui, préciser. C'est vrai. C'est vraiment ça la nouvelle philosophie de Microsoft. C'est aussi développer des logiciels et des produits en même temps. Très bien. Alors juste une chose, alors elle est plutôt pas mal cette tablette, vous allez retrouver le test complet qui vous attend sur 01net TV. Le seul souci c'est son prix, c'est que ça commence à 1650 euros et on monte pour la version haut de gamme avec chipset 3D, etc. à pratiquement 3000 euros. Ouais. C'est quand même assez effrayant. Comme Lucien nous demande s'il y a d'autres couleurs, et bien la réponse est non. Non. Une seule couleur, du gris, très joli gris, très gris malgré tout. Mais en tout cas, il n'y a rien d'autre. C'est vrai, ils auraient pu faire du rose, du doré, du... Bon, ça viendra peut-être plus tard. Pour les prochaines versions, mais en tout cas, très bien fini. On vous invite à regarder le test complet sur 01nettv.com et de lire aussi tous les articles qui ont été écrits par la rédaction de 01net. Et en plus, je crois que c'est pas fini, il y en aura d'autres. Bien sûr. Voilà pour cette Surface Book. Je suis très heureux de travailler avec, c'est très agréable depuis tout à l'heure, voilà, c'est très pratique, c'est cool. Et puis en plus, je vois de très beaux dessins de notre Leaf qui nous envoie des petites caricatures sur Twitter qui sont toujours très drôles. Bon, Jérôme, oui, on va parler maintenant du futur. Tadam, projetons-nous dans le temps. On a connu, rappelle-toi, les disquettes. Bon, toi, tu as bien connu les disquettes, moi j'étais trop jeune. C'est horrible, j'ai même connu les disquettes souples. Rendez compte, les disquettes souples. Ça vous parle pas, ça. Disquettes souples, les très grandes, c'est tout. J'ai pas connu avant les bandes, moi, tout ça, non, quand même pas. Voilà, c'est vrai que tu as même connu le VHS, toi, des trucs comme ça. Oui, allez, continue, enchaîne. Donc, et après, on est passé à des systèmes de stockage de plus en plus performants. Il y a eu le CD, il y a eu la clé USB, il y a eu les disques durs, après les disques durs SSD. Et là, voilà Tipa, qu'il y a un nouveau support de stockage qui a été, on va dire, élaboré par des chercheurs, qui est assez impressionnant. Mais c'est donc encore en prototype, oui, en laboratoire. Sûr. Et Gilbert Kallenborn va nous en parler. Salut Gilbert. Salut. Bonsoir Gilbert. Journaliste bonsoir. À la rédaction de zeronet.com. Gilbert, il faut parler un petit peu plus fort. Alors même s'il est malade, voilà, je vous... Jérôme, c'est bien, là j'ai deux malades sur ma droite, là. Voilà. Monte les basses, je me rapprocher de Raphaël. Voilà, tu mets tout à fond, ça va, Raphaël. Hein, Jérôme. Pour Gilbert. Alors Gilbert, tu as écrit un article passionnant concernant ce petit disque de verre qu'on va voir là. Alors quelle est la particularité de ce disque? Alors c'est effectivement une technologie révolutionnaire dans la mesure où ça va permettre de stocker des données pendant très très longtemps, enfin quasiment pour une éternité, 14 milliards d'années. Donc quand l'homme n'existera plus, ces données seront encore là. C'est génial. 14 milliards d'années. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'inverse, les supports d'aujourd'hui, les disques durs ou les CD, ça s'use en fait. Alors ça s'use même très vite en fait. Dans des conditions optimales, les CD, les clés USB, on peut peut-être les garder au maximum une centaine d'années, mais dans la plupart des cas, dans un usage quotidien, c'est quelques dizaines d'années, pas plus. Oui, alors on ne parle même pas des disques durs avec les plateaux magnétiques. Alors là, eux, c'est... Oui, alors là, c'est quelques années. Voilà, c'est quelques années. Donc là, on l'a vu, c'est un tout petit disque de verre, mais on peut stocker des données sur du verre? Oui, alors c'est du cristal de quartz, hein, pour être exact. Du cristal de quartz. Alors, les données sont gravées avec des lasers femtosecondes. Donc, c'est des lasers qui font des impulsions très très vite. Wow. Et qui vont graver des petites cavités à l'intérieur du cristal de quartz. Et ces cavités vont pouvoir stocker les données. Combien de données sur un petit disque comme ça? Qui fait quoi? En gros, allez, c'est plus gros qu'une pièce de 2 euros, mais pas énormément plus gros. Oui, c'est à peu près comme une pièce de 2 euros. Une pièce de 2 euros va pouvoir contenir 360 téraoctets. Donc c'est beaucoup. Jérôme, il y en a juste assez pour tes photos. Oui, c'est vrai. Mais je pourrais même et pas mettre ta vidéo. Alors. Voilà. Jérôme qui a un abonnement iCloud de 360 téraoctets. Et autant vous dire qu'une partie de son salaire part dans l'abonnement. Donc,
Le truc, c'est que, est-ce que on en est où aujourd'hui? Ça existe vraiment? C'est quoi? C'est un prototype? Alors c'est même plus qu'un prototype, parce que le prototype a été fait en 2013, le premier prototype. Là, les chercheurs, donc là c'est l'université de Southampton, a fait donc plusieurs gravures, donc avec des textes plus longs, des plus de données, et ils sont maintenant à la recherche de partenaires industriels pour commercialiser. Donc là, on est vraiment... D'accord. Avant la commercialisation. En revanche, ce n'est pas réinscriptible, c'est-à-dire qu'on va graver un petit disque comme ça, après c'est cuit, on peut pas l'effacer. C'est pour l'archivage. Mmh. Donc, là, on archive des données pour l'éternité. On peut envisager qu'il y ait après des versions réinscriptibles? Parce que finalement, les CD-ROM, c'était pareil. Au début, il n'y avait que... on ne pouvait pas réenregistrer, et puis après sont arrivés les rewritables, etc. Peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas la question. D'accord. Est-ce que on a une idée du prix? Ce genre de petit... Alors, il n'y a aucun prix pour l'instant, c'est vraiment laboratoire. Hein, donc, mais a priori, on peut quand même se dire que tout ce qui est lecteur, par exemple, ne devrait pas être très cher, parce que c'est basé, en fait, la lecture, c'est basé sur des caractéristiques physiques assez fondamentales. Donc c'est la lumière, la manière dont elle se reflète, ce sera un super lecteur la polarisation... CD, quoi. C'est ça, on pourrait imaginer. Oui, voilà, c'est finalement d'accord. C'est un peu ça. Ouais. Et alors, c'est étonnant parce que j'ai lu qu'avec 360 téraoctets de données, on pourrait presque stocker les principales informations de l'humanité. C'est quoi les principales informations de l'humanité? Jérôme Colombin, tous tes tweets. Voilà, les trucs importants. Ah ouais, les trucs lourds. Non? Bah oui. Bon, ben voilà. Alors, il faut se dire aussi que la longévité, pourquoi? Parce que le cristal de quartz résiste à la chaleur. Donc vous pouvez le mettre dans un four de 1000 degrés Celsius, il ne va pas bouger. Vous pouvez le plonger dans un bain d'acide, et ben ce sera pareil. C'est vrai, et ça ne bougera pas. Ça bougera c'est génial, donc ça peut résister quoi, une explosion nucléaire et à... Largement, C'est dingue. Il ne faut pas le laisser tomber par contre. Là. Ah, il ne faut pas le laisser tomber. Bah, c'est quand même du verre. Hein. D'accord. Ah, il y avait quand même petit problème. Oui, mais alors si... Le truc, ça supporte tout, sauf que vous le faites tomber dans les WC ou incroyable. Par exemple dans la salle de bain, les 360 teraoctets, toute l'humanité, ben voilà, est parti. Hop là, il n'y en a plus. C'est ballot. Attention quand même. C'est ballot. Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. Bon, d'accord. Ben, merci beaucoup, Gilbert. Un article passionnant à retrouver sur 01net.com. Allez, maintenant, on va donc aller faire un petit tour à Barcelone, avec un peu d'avance, puisque on a dit c'est la semaine prochaine. C'est bon, quand ça ouvre quand ça va démarrer lundi. Oui. Et il y aura des annonces dès dimanche. Ouais, d'ailleurs, et à ce sujet, sachez que dès dimanche, on sera au taquet avec Jérôme et avec toute l'équipe de 01net TV et de 01net.com pour vous faire vivre ce Mobile World Congress avec les annonces d'LG, de Huawei, d'HTC et de Samsung qui ont lieu dimanche donc. Alors justement. Que faut-il attendre du Mobile World Congress de Barcelone? Raphaël Grably, bonsoir. Bonsoir. Et Stéphanie Molinier va nous rejoindre. Parce que pour tout vous dire, la place de Stéphanie est prise par Gilbert. Donc ce qu'on va faire, c'est que Gilbert va partir de manière très élégante. Voilà, sans problème. Merci Gilbert. Au revoir. Bravo pour ton petit disque. Félicitations. Il s'en va comme un prince. Il s'en va comme un prince. Et Stéphanie va donc passer. Voilà. Et elle arrive tout de suite. Raphaël, donc il y en a pas mal de rumeurs. Et Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Pas mal de rumeurs. Ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on sait pratiquement déjà tout sur les smartphones. Oui, bah, comme chaque année. Donc effectivement, il y aura beaucoup de rumeurs sur le Samsung, beaucoup de rumeurs sur le LG. Donc on se rendra à la conférence de LG qui sera présentée dimanche à 14h. Et le Samsung sera présenté un petit peu plus tard, à 19h. D'accord. Et on commence à savoir un petit peu plus. Par exemple, chez LG, il y a des choses qui sont déjà officielles. On sait déjà qu'il aura un Snapdragon 820, donc c'est le meilleur processeur du moment. Ça, c'est annoncé ce matin par Qualcomm. On sait aussi, LG a déjà annoncé qu'il y aura un mode Always On, donc c'est ce mode qui permet d'avoir l'écran allumé en permanence. Vous savez, même quand l'écran est éteint, en fait, on a certaines notifications qui sont là, etc. Et ça consomme presque pas d'énergie, c'est pour ça. Ça consomme presque pas. Alors justement, ça consomme beaucoup moins quand c'est en AMOLED, parce que vous savez, en AMOLED, les pixels noirs sont juste éteints. Donc ça voudrait dire que peut-être que chez LG, on aurait eu un changement au niveau de l'écran, avec éventuellement une technologie AMOLED, mais là, on entre vraiment dans la catégorie spéculation. Sinon, pour le G5, donc...
Il y aura certainement, c'est quasiment une certitude, un nouveau design tout en métal. Alors là, on vous montre le G4, attention. Donc ça, c'est le G4. Parce qu'on essaie de faire des petites... Exactement. Donc l'arrière du G4 était en cuir. Là, cette fois, on devrait avoir du métal et un smartphone entièrement en métal. De toute façon, c'est vraiment la tendance en ce moment. Mais cette histoire de trucs toujours allumés, moi, je demande à voir. Parce que quel intérêt c'est quoi Je pense qu'on pourrait le désactiver. Mais sinon, l'intérêt, c'est de ne pas avoir à... Voici la super fonction que vous pourrez désactiver. Oui. On ne sait pas si ça sera très utile au quotidien. Ouais. Ça permet d'avoir ces notifications qui arrivent, mais on n'a peut-être pas aussi envie que ce soit allumé en permanence. Donc ça, je suppose qu'on pourrait les activer. Ça me paraît assez évident. On parle aussi d'un Magic Slot. Oui, alors le Magic Slot, on ne sait pas du tout. Ça pourrait être un espèce de port. On ne sait pas si ce sera un port propriétaire ou un port quelque chose qui est connu. Ce sera pour insérer en fait des accessoires. Donc ça pourrait être par exemple une batterie supplémentaire. Ça pourrait être par exemple un espèce de haut-parleur. Il pourrait y avoir un partenariat, ça c'est vraiment de la rumeur, un partenariat avec Bang & Olufsen. Ouh. Donc on pourrait peut-être greffer un petit haut-parleur assez sympa pour mettre de la musique. Voilà, il pourrait y avoir éventuellement une caméra 360 degrés, qui pourrait être peut-être aussi annoncée par LG dimanche. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Côté photo, il y aura peut-être aussi un double capteur. D'accord. On ne sait pas encore trop à quoi ça peut servir. Peut-être pour des photos en basse lumière, mais on parle aussi beaucoup de ce double capteur photo. Ce serait vraiment la grosse nouveauté. Voilà, aussi. Ça c'est pour les rumeurs concernant le LG G5. On en saura beaucoup plus aux alentours, 14h30, 15h, à la suite donc de la conférence de presse qu'LG va mener donc à Barcelone. Alors nous, on saura vers 14h30, 15h, et puis très très vite, évidemment, des vidéos sur 01net TV. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, on fera des tweets, bien évidemment, pour faire tout ça, et puis il y aura des petites vidéos qui arriveront très vite. Et on y sera pour la rédaction de 01net. Comme évidemment avec bien un live tweet, etc. etc. Stéphanie, autre rumeur, autre smartphone très attendu, sans doute l'un des smartphones les plus attendus de l'année. Oui, et à raison d'une rumeur par jour, je pense par jour. On pourrait vraiment concevoir un téléphone. Oui, c'est vrai, un téléphone à part entière, mutant, un téléphone rumeur en fait, c'est ça. Parce que dans les rumeurs, forcément, il y a beaucoup de vrais, mais il y aura forcément un petit peu de faux. Hein, donc pour l'instant... pour Samsung, c'est un peu particulier. On ne sait pas si on parle de deux ou de trois smartphones. Vraiment, c'est certains jours, c'est deux, c'est sûr. D'autres jours, c'est trois. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y aurait deux tailles d'écran. Un écran qui serait assez proche des actuels Galaxy S6, donc entre 5,1 et 5,2 pouces. Et puis, un ou deux autres modèles avec des écrans plus grands, entre 5,5 et 5,7 pouces. Cela dit, il y a beaucoup d'informations qui ont fuité. Il y a même une vidéo. Oui, il y a une vidéo sur YouTube. On voit le téléphone, qu'il y a un gars qui s'en sert sous la pluie. C'est authentique, ça ? Une athlète. Alors, a priori, ça viendrait de Samsung en Indonésie. Voilà, ils n'ont pas du tout... Et... Le mec, il a dû dire, bon, allez, on appuie sur le bouton. Alors, est-ce que c'est une fuite organisée ? Nous, on le lance 8 jours avant. On ne voit pas grand-chose dans cette publicité. Ouais. C'est peut-être complètement organisé pour le buzz par Samsung. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur cette vidéo, on se rend compte que finalement, du point de vue du design, le S7, il n'est pas foncièrement différent du S6. Il a l'air un petit peu plus grand, j'ai l'impression, quand on regarde la vidéo. Voilà. La deuxième chose dont on est donc maintenant sûr, c'est qu'a priori, il sera étanche. Et voilà. Puisque la personne l'utilise sous la pluie. Sous la pluie. On parle aussi de l'arrivée d'un port SD sur ce Galaxy S7. Ça, c'est quand même... Les deux points importants, des batteries grosse capacité et le retour du slot micro SD qui permet d'étendre la mémoire. On sait même les prix. Mais vous l'avez d'ailleurs, sortez de votre poche, Stéphanie, allez-y. Il y a des captures d'écran qui ont fuité. On voit deux modèles, un S7 32Go à 700€ et un S7 Edge 32Go à 800€. D'accord. Formidable. Mais voilà. Toujours des prix assez élevés quand même. On voit que Samsung investit le haut de gamme. On peut peut-être avoir d'autres informations. Enfin, oui, les rumeurs les plus récurrentes, on va dire, c'est le capteur photo qui passerait de 16 à 12 mégapixels. Alors tout de suite affolement, mais que se passe-t-il, la photo bonne. Voilà. Bon, il semblerait que avec les nouvelles technologies embarquées, les photos soient de qualité supérieure à celle du S6. Avec un 12 mégapixels. Avec un 12 mégapixels, en fait, ils auraient, je dirais, mis l'accent vraiment sur tout ce qui est photo en basse lumière, donc avec une ouverture à 1.7. Parmi les rumeurs qui circulent, ou avec, on a parlé aussi de technologie Brightcell, on a fait un article là-dessus, ou des
comme sur comme chez HTC, des pixels, des photosites plus grands. Oui, et rappelons que le Galaxy S6 est encore aujourd'hui l'un des meilleurs photophones du moment. Oui, hein, tout à fait. Voilà, oui. Qui dépasse sur certains points même d'ailleurs l'iPhone 6. Oui, complètement. Très bien. Voilà pour les rumeurs concernant le Samsung. Il y a autre chose concernant Samsung là. Concernant on est bon le Samsung, non, bon. On n'est pas certain du processeur, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit le Snapdragon 820. Bah, ils nous font toujours le coup. Il y a toujours deux processeurs hein, sur souvent oui, les marchés. Voilà, ça peut être c'est ou du Snapdragon ou de l'Exynos, qui est on va dire le processeur maison. Alors il y aura d'autres annonces sans doute. Hein. On attend Huawei qui va faire sa conférence de presse. On a aussi HTC. Est-ce qu'on peut avoir par exemple le fameux HTC One M10 qui pourrait être annoncé au Mobile World Congress? Là encore, d'après les rumeurs, il semblerait ça sera un petit peu plus tard, que HTC fasse un événement en mars ou en avril pour lancer son flagship. Donc, Raphaël, Huawei? Ouais, il y aura éventuellement le P9, mais on n'a pas eu tellement d'infos là-dessus. Il y a peut-être Xiaomi aussi, enfin il y a Xiaomi qui présentera aussi quelque chose, le Mi 5. Mais là encore, on n'a pas beaucoup de rumeurs. D'accord. Franchement, les rumeurs, c'est vrai que ça se concentre beaucoup autour de Samsung et de LG, évidemment. Parce que c'est les deux gros morceaux. Sony Mobile, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de rumeurs. Ouais. On verra bien. D'accord. Mais parmi celles qui circulent, on pourrait imaginer le retour d'un modèle Ultra version Z5. Mmh. Donc, pour rappel, l'Ultra, c'était une dalle de 6,5 pouces. Et puis, on peut se dire que ce serait l'occasion pour Sony, peut-être, de nous sortir, de nous remettre au goût du jour sa tablette petit format. Mmh. On avait une excellente tablette, la Z3 Compact, qui faisait 8 pouces, qui a été vraiment un gros succès chez Sony, qui était vraiment très performante. On peut imaginer qu'un an et demi ou deux ans après, un nouveau modèle fasse son apparition, une Z5 Compact peut-être. On verra bien, puisque Sony fait aussi une conf de presse. Oui, Jérôme, la question Zéronet Orange. Bah oui, je pense que c'est la transition est toute trouvée. La question d'actualité, qu'attendez-vous justement du salon de Barcelone en priorité? Ça m'étonne pas. Principalement des smartphones avec une bonne autonomie. Et à mon avis, ce n'est pas pourtant là-dessus qu'on aura franchement des nouvelles. Hein. Ensuite, fonctions insolites, de bonnes performances et des smartphones bon marché. C'est intéressant. C'est pas ce qu'on attend le plus apparemment comme annonce à Barcelone. Barcelone, c'est un peu le haut du panier. C'est Noël. On sait bien que ça ne va pas être à 100 euros. Bien sûr. Un Mobile World Congress qui s'annonce vraiment d'un très grand cru, hein, avec énormément d'annonces, beaucoup de nouveaux produits. Ça sera à suivre dès dimanche après-midi sur Zeronet.com et Zeronet TV, puisque Jérôme et moi-même et l'équipe Zeronet TV et Zeronet.com y sera. Rendez-vous donc dimanche. Merci à Raphaël et merci à Stéphanie. Et préparez vos valises. Et tout de suite, c'est Delphine Sabatier qu'on retrouve. Stéphanie qui reste avec nous d'ailleurs puisqu'elle va nous présenter un téléphone qui est arrivé aujourd'hui même à la rédaction. C'est un smartphone LG, alors c'est pas le G5 mais c'est un smartphone qui malgré tout est assez intéressant. Non, c'est le K10, c'est ça, hein. Et on va en parler dans un instant. Delphine Sabatier est avec nous. Bonsoir Delphine. Delphine qui va nous parler, alors je vais faire un monde honorable d'un truc que je ne connais pas. Sans blague. Et pourtant j'en connais des trucs. Hein. C'est l'appli Kik. Kik. Ouais, mais c'est parce qu'il est... Non, mais c'est vrai que c'est pas de son âge. C'est derrière des tas d'autres applications. Et voilà. Genre, c'est vrai. Kik, qui est au cœur d'une polémique, visiblement. C'est une appli qui serait dangereuse pour les adolescents. Alors donc, rappelez-nous quand même ce que c'est que Kik. C'est les parents qui disent ça. Hein. Oui, bah oui. Bon, alors Kik, c'est une appli qui existe depuis 2009, mais c'est vrai qu'elle arrive derrière, loin derrière les Snapchat, les WhatsApp, sauf qu'elle est quand même très utilisée aux États-Unis. C'est des Canadiens qui l'ont lancée. Mm-hmm. Ils revendiquent aujourd'hui quand même 270 millions d'utilisateurs. Donc c'est une appli de chat mobile, on peut s'échanger plein de choses très fun, parce que c'est vraiment 100% pensé pour les adolescents. Hein. Donc on peut échanger évidemment des émoticons, on peut échanger des gifs, on peut échanger des vidéos, on peut échanger des photos, des stickers, il y a des applis dans la
appli, il y a même des applis de rencontre à l'intérieur. C'est un peu le modèle de WeChat qui est le chinois surpuissant que vous connaissez là en revanche. J'en suis persuadée. Voilà. Et d'ailleurs, Tencent, qui est propriétaire de WeChat, a investi 50 millions d'euros dans Kick récemment. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un univers 100% adolescent dans lequel on ne sort jamais. Il y a même son propre navigateur à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Alors, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il y a eu des faits divers récents dans lesquels le nom de l'application est ressorti. Et donc, il y a des médias américains aujourd'hui qui disent « Attention, faites attention, votre enfant ne soit pas la prochaine victime de Kick. Mm-hmm. » On en est là. Victime, c'est-à-dire ? Alors, les faits divers, on va vraiment dans des choses très glauques. Excellente relance. Ah ben, super. N'est-ce pas, hein ? Peut-être un peu trop long, si je puis le permettre. Je suis très inspiré. J'osais pas le dire. Ouais, un peu long, mais pas mal. Bon, arrêtez de rire, parce que là, je rentre dans des choses sérieuses et c'est pas mal. Pardon. Un homme de 25 ans. Voilà. Donc, un jeune homme de 25 ans qui s'est caché derrière un pseudo de petite fille et qui a réussi à enrôler une quarantaine de filles de 8 à 14 ans pour les inciter à partager du contenu pédophile. Il y a eu aussi une affaire de trois hommes qui ont tenté de rentrer en contact avec une jeune fille pour tentative de viol. Et puis, c'est allé jusque plus grave, puisqu'il y a une jeune fille qui chattait avec un garçon de 18 ans, qui finalement a été kidnappée et tuée par ce garçon avec qui elle chattait juste la veille sur Kick. Donc on est vraiment sur des affaires très graves. Le problème de cette application aussi, pourquoi elle inquiète beaucoup, c'est parce qu'il y a un climat d'anonymat. Je disais, on a juste besoin d'un pseudo, on n'a pas besoin de rentrer son numéro de téléphone pour s'inscrire sur Kick, on n'a pas besoin de donner sa vraie identité comme sur Facebook. Et puis, c'est une appli qui vous incite à entrer en contact avec des inconnus. Donc voilà, il y a tout un système où on peut se faire des tas d'amis qu'on ne connaît pas. Et flirter. Et même, voilà, ce que je disais, il y a une appli de rencontre, on peut flirter, on peut passer sur des profils qui ne nous intéressent pas ou au contraire, voir ceux qui vont matcher en fonction de notre âge. Mais l'âge, de la même façon, c'est pas tout, forcément c'est tout en même temps, l'âge c'est, véridique de la c'est personne. C'est Facebook, Tinder, tout mélangé, tout réuni. Ouais. Quoi. D'accord. Et comment réagit Kick donc à cette polémique? Parce qu'il est évidemment, l'appli est au cœur de tout ça. Hein. Oui, alors du coup, Kick a publié un guide pour les parents avec des conseils. Et le principal conseil qu'on voit en top, c'est attention, n'autorisez vos enfants à installer Kick que s'il vous donne accès, si vous avez les identifiants finalement de votre enfant. Ouais, pas facile à négocier. Et d'autant que... Bah voyons. Faut essayer de le faire. C'est vrai que, bon, après, il y a des techniques pour le faire. Moi, en tant que maman, il y a des choses que je fais, par exemple, pour avoir accès aux identifiants des applications de mon fils. Oui. Je sais pas, ça vous est tout arrivé, non ? Ce sera dans le prochain numéro. On en parlera plus tard. Mais en plus, l'autre chose difficile, c'est que Kick précise que si vous voulez avoir l'historique des conversations de votre enfant, il faut avoir accès à l'appareil sur lequel le compte a été créé. Donc, il faut être vraiment dans une relation de confiance avec son ado. Pareil, c'est pas possible. Pas facile. Le smartphone d'un ado, c'est le truc qu'on peut plus toucher. C'est ça. Donc l'autre conseil quand même, c'est de leur parler. On parle souvent à nos enfants des inconnus dans la rue à qui il faut pas parler. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment sur le web, sur les applis. C'est surtout ça. Faut faire attention, on n'est pas juste entre nous dans les applications. Ça me fait penser d'ailleurs à l'histoire de Serge Aurier sur Periscope, qui aurait pu être l'appli de la semaine aussi. Évidemment. Depuis cette affaire, elle est en top sur l'App Store France, qui pensait parler à ses potes de Sevran sur Periscope, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a une Libé a ressorti une étude d'une chercheuse américaine qui dit dans la tête des ados, il y a tellement de publics possibles quand ils s'adressent sur les réseaux sociaux que finalement, ils s'imaginent, comme nous les journalistes, on s'imagine à qui on s'adresse. Et ben, les ados font pareil sur les apps. Le footballeur, c'est plus un ado, là. Et donc, ils se mettent dans un contexte rassurant pour eux où ils s'adressent qu'à leurs potes. Donc, voilà, attention, c'est faux, c'est Internet, il y a des inconnus et des gens dangereux. Très intéressant. Voilà, ça fait merci Delphine. Tout ça. Merci beaucoup Delphine. Delphine Sabatier, directrice des rédactions de zeronet.com chaque jeudi soir donc dans Zéro Live Hebdo. Jérôme, on est un peu en retard, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Et on va terminer donc avec Stéphanie à nouveau du labo 01net. Stéphanie donc qui ne nous a pas quitté. Voilà. Et donc nous a qu'est-ce que c'est que ce K10? Alors la gamme rien à voir avec K2000. De LG. D'accord. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit la boîte vendue dans le commerce. Non. Alors, oui, parce que là, tu alors, il est arrivé mais en mais fait. Mais peut-être, à la rédaction. Ça c'est la boîte VIP, ça c'est la tienne, mais voilà, les gens n'auront pas la même. Hein. Mais qui sait. Et en fait, la gamme K, c'est une toute nouvelle gamme de smartphones chez LG qui a été dévoilée au CES en janvier dernier. Ouais. Et en fait, avec cette gamme, LG veut essayer de séduire un public. Par un joli design, un design qui sort un petit peu de l'entrée de gamme, des fonctions
qui sont également plutôt sympas et qu'on voit rarement, justement toujours sur de l'entrée de gamme, pour un prix assez abordable. Ça, c'est le plus cher de la gamme, c'est le mieux équipé, et il est à 229 euros. Ah oui. Donc ça reste relativement abordable. Mais alors, malgré tout, on n'a pas un téléphone, enfin, bon, évidemment c'est une somme, mais on n'a pas un téléphone au rabais quoi, pour cette somme-là. Non, non, on a quand même des fonctions intéressantes, notamment dans le domaine de la photo, puisque c'est un appareil qui est équipé d'un capteur 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels pour les selfies. C'est plutôt honnête, j'ai regardé la qualité des photos, on n'est pas du tout les photos du G4, c'est clair. Ça manque un petit peu de stabilisation optique, surtout quand la lumière manque. Mais on a quand même un assez bel appareil, donc c'est un smartphone qui fait 5,3 pouces. Beau gosse. Donc c'est vraiment une grande diagonale de type HD. Ouais. Je l'ai vérifié rapidement. Si la luminosité de l'écran n'est pas très 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 bonne, en revanche, il y a un très très bon contraste. Et c'est ce qui fait vraiment ce qui donne une bonne impression d'ensemble. Ouais. Donc un smartphone assez fin. Il est joli, hein, le dos assez joli. C'est partagé. C'est partagé. J'ai un peu les deux amis. Mais quand tu le touches, ça fait un peu cheap, ça fait très plastique. Alors, cela dit, l'avantage, c'est qu'un dos en plastique strié, comme ça, ça glisse moins et ça risque moins de tomber. Donc ça, c'est l'avantage. Et surtout, ce qu'on aime sur ce type de smartphone, c'est que le dos est amovible. On peut imaginer qu'il y aura peut-être d'autres couleurs, d'autres d'autres dos. Et on a une batterie amovible, on a une mémoire qu'on peut étendre grâce à un lecteur de micro SD. Donc voilà. Et puis rappelons qu'il est 4G, bien évidemment. Hein, il est 4G. C'est pas un smartphone ultra puissant, mais qui peut faire la blague. Pour le prix, ça peut faire la blague. Comme on dit, j'adore cette expression. Bon, ça fait la blague. Merci Stéphanie. La bonne blague. Merci. Stéphanie Molinier du Labo 01net et de la rédaction de 01net. Eh bien voilà, Jérôme, peut-être un dernier point sur notre sondage. C'est pas simple. Alors que moi, avec cet appareil, ça marcherait tout de suite. Oui, mais bon, comme ça. J'ai pas le sondage, ça n'a rien à voir. C'est pas possible. N'importe quoi. Et quel genre de smartphone attendez-vous au salon de Barcelone? Principalement des smartphones qui aient une bonne autonomie, mais ne rêvez pas. 28% des smartphones avec des fonctions insolites, 22% bonne performance et des smartphones bon marché en quatrième position. Voilà, vous voyez le résultat. N'hésitez pas, vous pouvez voter et nous donner votre avis concernant cette question tout au long de la semaine sur 01net.com. Jérôme, c'est fini. On se dit au revoir. Finalement, on n'est pas en retard. Non, en plus. Tout petit chouïa, mais on a connu bien pire, tu as bien raison. Rendez-vous donc, on le répète encore une fois, dès dimanche sur 01net TV, nous serons à Barcelone pour vous faire vivre, avec évidemment la rédaction de 01net.com, le grand salon de la téléphonie mobile. Rendez-vous sur 01nettv.com pour retrouver toutes nos vidéos et notamment le test sur Facebook, qui est tout frais de ce matin. Et puis merci à Jean-David Duarte, Jérôme Giliberto et Florian Beaufreton, qu'on a vu deux fois à l'antenne ce soir, vous l'avez vu, qui s'occupaient de la technique. Voilà, juste une chose pour terminer sur le Mobile World Congress, il y aura deux émissions exceptionnelles en direct, lundi et mardi prochain, de 13h à 13h30, voilà, avec des invités, on découvrira toutes les nouveautés. Ah oui, c'est vrai. Ça sera donc lundi et mardi, nous serons sur le stand Orange, donc au Mobile World Congress. Ouais, j'ai oublié de citer Pierre Thiolin qui est là, caché derrière une caméra, je ne l'avais pas vu, caché. Il est tellement mec qu'on ne le voit pas derrière la caméra en fait, c'est pour ça. Merci à E4. Et à vous tous de nous avoir suivis depuis 18h, et rendez-vous donc, tu l'as dit, la semaine prochaine en live. Voilà, très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Salut à tous.